Capage TV. Capage TV. République démocratique du Congo. Tu connais tant de talents. Il y a un modèle où il a fallu pour battre. Peut-être, Nathan Yakala, Batoumoussou, Bazala Kibongo, Rochero Taboulay, Franco, et ainsi de suite. Mais il y a tant de talents. Aujourd'hui, cette période, en tout cas, on ne peut pas refuser que c'est Fally qui. Voilà, Aza aujourd'hui est au sommet. Mais je ne dis pas qu'il est seul. Aza est mon côté. Et ça, monsieur Moussouros à la paix, fierté, il y a beaucoup de. Mais est-ce que je suis en train de dire que il est le seul et que Moutouaza a sauté? Non. Moutouna Moutouaza a domaine pour exceller. Donc je ne voyais pas pourquoi les gens pouvaient aller jusqu'à diminuer Fally. Mais de l'autre côté aussi, les journalistes. Est-ce que c'est vraiment. Bien, il y a quoi attaquer les journalistes à la télévision. Non, les journalistes d'abord. On ne peut pas les attaquer. C'est les journalistes. Journalistes, ils ont tort. Ils ont toujours raison. Parce que le journaliste, c'est un corps. Si on a un finga, c'est qu'il y a un argument. Pour que l'on a un argument, il y a un finga. Il y a un argument. Il y a un argument. Alors, quand on a un argument, il y a un finga dans les réseaux sociaux. Il y a un cité. Il y a un cité. Il y a un parent. Comment on a un tongo ou un finga bateau? Et puis, on a coupé, moi, si nous pas zawana, bah, nous pas zawana, on s'appelle tranquille. Comment on fait? Comment on arrive à se perdre? C'est eux qui détiennent l'info. Si vous négligez ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur TikTok, ben, c'est eux qui vont influencer vos enfants demain. Vous n'avez aucune idée de combien de jeunes filles veulent devenir comme Madame Capache. Vous n'avez aucune idée de combien de jeunes filles veulent devenir comme nos jeunes sœurs TikTokeuses. Alors, si vous laissez ces gens-là libres, qui fassent ce qu'ils veulent faire, comme ils veulent, et vous ne les encadrez pas, vous tuez des générations et des générations. Donc, ça veut dire que sur YouTube, il n'y a pas que de mauvaises personnes, il y a de bonnes personnes aussi. Sur TikTok, il n'y a pas que de mauvaises personnes, il y a de bonnes personnes aussi. Mais maintenant, buzz, ouais. Et ça m'a bêté. Buzz et comme ma bête, ce que nous avons passé, comme nous avons heurté, comme nous avons opposé, comme nous avons fait. Ce qui dans le but, par exemple, que Netito, Netio, Boto, qui sont en train de faire, à Boti, à Missa, à Triplé. Non, ça, elle est obèse. Mais la n'a pas bêté. Peut-être qu'il y a un robot. Mais ce qui est commis que, ça la qui boue, qu'il y a un n'a pas bêté, n'a pas fini, n'a pas fini, n'a pas quitté ça, on est commis buzz, il y a un bêté. C'est ce qui n'a pas écouté, ma responsabilité, c'est ce qui donc. Non, mais la responsabilité, moi, mon aîné, parce que. Bon, on a habité sur le monde, il y a jeune, mais je pense que. Et la responsabilité, moi, mon aîné, parce que ceux qui ont les lunes échoué dans n'a pas bêté. En tout cas, la limite est que les jeunes sont au fond de la bande là. Parce qu'ils vont dire, mais tout ça qui fonctionne beaucoup quitté. Donc, on est obligé de bien faire pour convaincre le président de la République à Fungwa Malisous. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour. Service cargo rapide, de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours. Un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte. Coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable.
Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Lael, c'est aussi deux salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Lael à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Comment n'ayokolo lopango na primangondo na concession moussa na 1300 dollars au Bengami Bayer. Ngalaza mutwa cash. Nayaki na pesi 1000 dollars nanga et pas apporte gasi moussa. Ba to bote bite to rozwa bango wapi. Dans ces 1000 dollars du coup aux ndaku même o andam ndam mutandam ndam 1300 mais nga za muta cash na pesi mbongo nanga 1000 dollars na zuna nga deux parcelles nanga 2000 dollars dans la sous le na strate na komi ko le pango na longwe locataire a oumela avant d'aller libérer libéra resi nanga yango yo oyo zo laxa ke na sombi yanga le pango cash na sengi merci na papa Gasimu Sasa na o asale libiso. Ngai mwa mke na ash na ngabo na komi mama lopangu na sombi lopangu na nga cash na 1000 dollars na cash yango na zo benga ba jeune fille nyoso tout le kwa ngai baya ba kosepela tana ash na nga na komi mama lopangu na zane sengo makasi mama lopangu na ash na ngai merci penza merci papa Gasimu Sasa merci nzamba baxele bele ngai na pesa merci à papa Gasimu Sasa na zaki na mbongo na ngamuna legeli kelemba na bomba ki na sombi 3 parcelles na zo pesa ndambu en tout cas, ma maman, au te karabakala, au te karani, n'a pas te karabitabela banguba. Mais n'a zu trop en balamako. N'a zape na resi n'a rango pa pesingai. Voilà bandeko, bango nyon so bayaki kokoma bakolo mapango. Yo zo ze la sokini, tala. To uti go somba, ko pesa batu mapango na bango, tala bandeko nyon so yo. Ba uti go zo mapango na 1300 dollars seulement. Mingi ba pesi avance à 300 kak, bazui mabele. Ba musu ba sombi cash na 1000 dollars. Balinga batundenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto ya Kinshasa opportunité yango avec Kapotre Gassiange Moussa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terres. Basubasima eza c'est officiel. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint des bains et pour teint clair, dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ata bébé en pakola ou pas foutre à la vie sope. Kitoko, après on va aller dans la boule, on va comme un coin moins rose, ou comme une costi sa tête sauta pour le couper tout ça pour l'emporter. Rite c'est beauté à Elvis. Oh, au moins la kebatache, moi et Saninga, mouin. Rite à Tindelinga, maï oh. Maï oh, et ça n'est vraiment naturel. Et copé du saloté, et pour ça leur allergie. Donc, mieux chez un naturel. Au moins, ça, rite beauté. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Comment faire pour arrêter les bavures sur les réseaux sociaux? Voilà, l'occasion nous est donnée par le président du CESAC, une institution d'appui à la démocratie, Maître Christian Bossembe est notre invité d'aujourd'hui. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seul comme animateur. Je suis accompagné d'Alain Délé. Alain Délé, bonjour. Bonjour, François. Mais également Madame Cynthia Kapachi. Bonjour, Madame Cynthia. Bonjour, François. Vous allez bien? Oui, très très bien. Allez, bonjour, président. Salut cher Franck, salut cher Alain, salut madame Kapache. Merci. Voilà, donc c'est le maître Christian Bossembe qui est notre invité d'aujourd'hui. Comprenez qu'il est le président du CESAC qui va répondre à toutes nos questions, surtout tous ces journalistes, bien sûr, qui à leur tour veulent savoir quelles sont les attributions, bien sûr, du CESAC. Vous allez le savoir aujourd'hui au cours de cette émission. Alors, avant toute chose, Maître Christian Bossembe, ma première question est celle de savoir comment comptez-vous faire pour arrêter le bavure sur les réseaux sociaux?
Alors, déjà, il faut rappeler que le CESAC a pour mission de rendre salubre l'espace médiatique. Et pour nous, espace médiatique, c'est l'ensemble de voies de communication, médias sociaux, tout comme médias traditionnels. Très bien. Alors, maintenant, les choses ont tellement évolué qu'il y a la présence des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font partie des très grands canaux de communication. Ce qui veut dire que si nous ne faisons pas très attention, les réseaux sociaux peuvent abrutir les Congolais. Et nous, nous avons la mission de protéger les consommateurs, protéger la population, qui sont les consommateurs de réseaux sociaux et des médias. Alors, donc il fallait mettre en place des mécanismes pouvant arrêter la bêtise avant qu'elle ne dégénère. Et comment nous faisons? Nous commençons d'abord par la sensibilisation, ce que je suis en train de faire maintenant. Très bien. Depuis un bon bout de temps, on a commencé une campagne de sensibilisation pour interpeller les réseaux sociaux, tout en leur demandant de faire mieux que ce qu'ils font. Et surtout de montrer à ces gens qu'ils ont une puissance extraordinaire. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais vous avez une impression grave. Et c'est pour moi un plaisir de vous rencontrer, vous tous, qui animez des émissions sur le réseau. Et des émissions les plus attrayantes, quand vous suivez par exemple Madame Capache, vous trouverez qu'elle a environ 50 000 vues, 100 000 vues. Au bout de quelques temps, elle peut avoir 200. Et vous, d'ailleurs, vous le savez, vous êtes suivi par plusieurs personnes. Alors, si nous vous laissons comme ça, seul, aller comme vous voulez, c'est-à-dire vous vous réveillez un matin, vous imaginez un sujet et vous le diffusez, nous mettons le pays en danger. Et le pays court un risque énorme. Parce que l'homme a des humeurs, a des volontés, a des penchants, ainsi de suite. Si vous laissez à l'homme trop de liberté, il en abuse toujours. Donc, il fallait mettre un terme à cela. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en place une directive sur les réseaux sociaux. Et c'est dans cette directive que nous essayons de, je ne veux pas dire criminaliser, mais nous essayons de responsabiliser tous les différents prestataires des réseaux sociaux. Pour vous dire, faites attention de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire. Les réseaux sociaux ne sont pas un endroit où quelqu'un vient pour insulter. En tout cas, ça je peux vous le rassurer déjà, les insultes ne passeront plus jamais. Donc, les insultes faciles, les attaques personnelles, les imputations dommageables, tous ces propos-là, une fois que nous allons tomber sur quelqu'un qui est dans ça ou qui excelle dans ça, cette personne se verra très rapidement déférée devant les cours des tribunaux. Il répondra de ses actes et je crois que ça pourra nous aider à rendre salubre cet espace parce que nous estimons que c'est important. Maître Kessa Bossembe, cette campagne de sensibilisation prendra combien de temps? Bon, ça a commencé quand et ça finira quand? Bon, la sensibilisation, elle est pérenne, elle ne finira pas. Nous allons continuer à sensibiliser. Mais en même temps, la sanction va être là pour ceux qui ne comprendront pas. Parce que si nous vous invitons, par exemple, on dit, monsieur Stémaï, venez. Vous venez chez nous vous disons, voici ce que vous avez fait, ce n'était pas bien, nous ne voulons pas ça. Si vous nous dites que c'était par erreur, ou vous reconnaissez les fautes et vous promettez que vous n'allez plus recommencer, à ce moment-là, on n'a pas besoin de vous sanctionner sévèrement. Vous aurez certainement une observation et puis on va vous voir sur l'état. Mais si par malheur, vous nous dites que vous n'allez plus recommencer, mais vous recommencez quand même, en ce moment-là, on aura compris que c'est un défi. Et l'institution ne perd jamais face aux individus. Très bien. Alain Delay. Je crois que j'ai une question. Président, je vous ai suivi, je suis votre message. C'était très intéressant. Et puis, le directif que vous avez donné. Mais je pense qu'en parlant du réseau social, des youtubeurs et tous les autres là, je crois que c'est un terrain qui est très vaste. Mais depuis des temps et des temps, ces gens se disent toujours qu'ils sont tout le temps rejetés. Ils n'ont jamais été considérés. Pour eux, ils se disent, lorsqu'il y a des directives comme ça, c'est comme si ce sont des directives tombées juste pour ceux qui évoluent en clair et les autres. Et ils sont mis de côté. Il n'y a jamais eu une convocation, peut-être une réunion où ils seront invités. Et peut-être au cours de cette réunion, ils peuvent, tu vas avoir quand même quelques directives à donner. Alors, maintenant que vous avez soulever ces points. Avez-vous déjà pensé organiser peut-être une séance de travail avec ces derniers ou comment ça va se passer? Exactement. Pour nous, les réseaux sociaux ont une très grande importance. Et dans la notion de réseaux sociaux, comprenez qu'il n'y a pas que de journalistes parce qu'il faudrait comprendre qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, la notion même du journalisme vient de changer. Parce que tout producteur
des réseaux sociaux, du contenu de réseaux sociaux n'est pas forcément journaliste. Mmh. C'est quelqu'un qui se réveille un matin, il prend sa caméra, il commence à parler, à raconter des choses. Il peut même donner l'information. Mmh. Il peut lui aussi faire la récolte, le traitement et la diffusion. Mais il n'est pas journaliste. Parce que n'ayant pas la carte de journaliste ou n'ayant pas suivi la formation de journaliste. Mais c'est quelqu'un qui donne une info ou c'est quelqu'un qui parle de lui. C'est ce qu'on appelle, nous, des producteurs. Ils sont producteurs de contenu, ils produisent ce qu'ils font. Mais ce sont des gens qui apportent une communication qui nous concerne, nous tous. Donc, c'est une erreur monumentale de laisser ces gens-là, parce qu'ils ont une mauvaise connotation, généralement. Et cette étiquette n'aide pas à rassembler les gens. C'est quoi la conception qu'on a des gens de YouTube? On dit « Batomaï les Mingité ». On dit « Batomalingi, Balinga, la Mingi », tout ça. La tendance. Donc, « Baza, Pinza », tout ça. Et ça, ça se raconte, malheureusement, les gens ne comprennent pas que c'est eux qui détiennent l'info aujourd'hui. C'est eux qui détiennent l'info. Si vous négligez ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur TikTok, ben c'est eux qui vont influencer vos enfants demain. Vous n'avez aucune idée de combien de jeunes filles veulent devenir comme Madame Kapash. Vous n'avez aucune idée de combien de jeunes filles veulent devenir comme nos jeunes sœurs TikTokeuses. Alors, si vous laissez ces gens-là libres, qui fassent ce qu'ils veulent faire, comme ils veulent, et vous ne les encadrez pas, vous tuez des générations et des générations. À l'époque, quand je commençais la télévision, quand on recevait les gens pour des stages, quand je posais la question aux femmes, généralement, vous voulez devenir qui demain, ou vous voulez faire comme qui demain, la référence était Chantal Kanyombo. On veut être comme Chantal, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous posez la même question aux dames. Elles vous disent autre chose. Elles vous disent influenceuse sur les réseaux sociaux. Elles vous disent je veux être influenceur, influenceuse. Ça veut dire que la donne a changé. Et une nation qui ne sait pas s'adapter au mouvement et aux mutations, cette nation est appelée à la perdition. Nous sommes obligés de composer avec ceux des réseaux sociaux, avec les journalistes des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tous les médias à travers le monde, aujourd'hui, tous les médias à travers le monde sont numériques. Il n'y a plus de médias traditionnels, ça n'existe plus ces choses-là. Tous ont des pages sur Internet, tous sont en ligne. Et ils vous disent même, vous nous suivez sur Internet, suivez-nous sur Facebook. Ils utilisent le même canal. Donc après, à un moment donné, il fallait composer avec eux. Donc ils ont une place assez importante pour moi. Pour ma petite expérience, moi je viens de la télévision, on va dire traditionnelle. Mais après, je suis venu sur YouTube. Mais c'était difficile pour moi de venir sur YouTube. Je me disais, mais ces gens vont me considérer comme... Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que toi, tu apportes va marquer la différence. Et on a fait la télévision sur YouTube. Nous avons marqué la différence. Et on a créé une chaîne, on a laissé la chaîne, parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir la chaîne. Mais on a laissé une chaîne de télévision. C'était simplement sur YouTube. Donc, ça veut dire que sur YouTube, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Il y a de bonnes personnes aussi. Sur TikTok, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Il y a de bonnes personnes aussi. Donc, nous essayons de voir ce qu'on peut faire. Mais par exemple, là, je crois que ce mois ou le mois prochain, je crois, on va organiser une séance de travail avec tous les youtubeurs et tous les tiktokers et toutes les tiktokeuses. Nous allons... Oui, oui, c'est pas facile. On va discuter avec eux pour essayer de voir quel est le contenu qu'il nous faut. Parce qu'il faut trouver un moyen de subvenir à leurs besoins. Soit faciliter l'obtention des mégas, ce sont des probabilités qu'on discutera avec eux, soit trouver un moyen de contenu, soit en tout cas on va trouver un moyen pouvant nous permettre d'avoir la même mise sur les réseaux sociaux. Donc ils ont beaucoup de respect à mes yeux, je les considère énormément. Super bien, je crois qu'en parlant de la communication, je crois que ça pourra aller. Parce que je voulais quand même que ces gens se sentent aussi considérés. Ils sont extrêmement considérés pour nous. En parlant aussi de directives, par exemple, parce que c'est vrai, il y a certains points que les gens oublient. Je me dis, c'est vrai, aujourd'hui, tous nous faisons la télé, mais quels sont... Vous avez déjà peut-être une liste des points que vous allez présenter à toutes ces personnes, parce que sinon, ça sera toujours à la va-vite. Hein. Chacun ramasse un sujet et puis un sujet qui les maîtrise. Non, le contenu, pour nous, excusez-moi, le contenu est plus important. Ce que nous allons demander aux gens, et j'aimerais bien vous le dire, cher Alain, nous sommes un grand pays quand même. La RDC, c'est une puissance, même en termes potentiels. Oui. Ça veut dire que nous n'avons rien à envier. Je rappelle ici que c'est la RDC qui a influencé ma famille de la Côte d'Ivoire. Avec notre théâtre qu'on faisait ici, nos théâtres qu'on produisait ici, le groupe Salongo a influencé même les groupes, les films nigériens, Nollywood. Nous avons donné le go à cela. C'est nous qui avons engendré le coupé décalé. Parce que le coupé décalé, c'est un dérivé de notre musique à nous. C'est que vous allez voir, à partir de l'an 2000, tous les DJ ivoiriens avaient un nom congolais.
DJ Kaloudji, il y en avait en Côte d'Ivoire, il y en a. DJ Kérosène, c'est des gens chez nous ici, Kérosène avec Koffi Olomidé. Et c'est comme ça, des gens qui prenaient Bill Clinton pour des modèles, ainsi de suite. Et vous vous rappelez que même Magic System a une fois levé les rideaux de Wilson. Ça veut dire que nous avons, à un moment donné, notre pays influencé l'Afrique. Mais à partir de quel moment la donne a changé? À partir de quel moment les musiciens congolais commencent à se sentir supérieurs quand ils jouent le coupé décalé? À partir de quel moment nous commençons à penser que la musique nigériane peut être plus importante que la nôtre? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un déficit culturel, l'asile culturel, l'aliénation tout simplement, le refus d'être soi et penser que l'autre est meilleur. Et aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, dans le langage commun, vous commencez à parler comme les Ivoiriens, comme les Nigériens. En fait, nous commençons à parler comme eux, alors qu'à l'époque, c'est eux qui parlaient comme nous. Parler lingala, à un moment donné, à l'époque, c'était une fierté. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Votre français ressemble plus au français des autres. Vous perdez ça. On perd ça pourquoi? Parce que ceux qui sont censés influencer sont eux-mêmes déjà influencés par les autres. Et on est perdu. On est totalement perdu. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui sont sur YouTube, c'est vous qui avez la clé pour redorer encore une fois la force culturel que nous avons. J'entends les débats comme quoi, dans vous, pourquoi vous ne parlez pas lingala, pourquoi vous ne parlez pas en français chez vous, il faut parler en lingala, pour que, il faut parler en français pour que les gens écoutent, il faut parler, il faut pas parler en lingala. Non, la musique franco ne chantait pas toujours en français. Franco chantait en lingala. Mais si vous allez au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans le pays francophone, on écoute franco. Jusqu'au point qu'Obama a écouté franco, Obama a parlé de franco. Franco n'a pas chanté en anglais. Le problème, c'est la force qu'ils ont, la force qu'on avait avant. Ce qu'on a perdu. Maintenant, qui peuvent donner cette force? C'est vous. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un comme Franck Stemaï qui dit, Nabengi, Madame Kapash, vous commencez à parler de vos problèmes. Lorsque le visuel est bon derrière, ceux qui suivent à l'extérieur seront obligés d'interpréter ce que vous dites. Nos théâtres là qui passent là, on n'a pas besoin de le mettre en français. On peut le mettre en français pour commercialiser. Mais nous pouvons imposer aux autres notre langue à nous et ils vont nous suivre. S'ils veulent savoir ce que nous disons, ils vont interpréter. Et qu'est-ce que nous allons réussir à faire en ce moment-là? On aura transporté notre langue à nous. Donc, c'est pourquoi nous allons rencontrer les gens de YouTube. Et tu vois même que je dis les gens de YouTube, non pas de YouTube. C'est pourquoi on va rencontrer nos frères des réseaux sociaux pour leur dire, vous avez une influence énorme. Rester dans ce que nous sommes et nous donnons maintenant le contenu à ces gens. Parce que c'est bien de dire, vous perdez, mais qu'est-ce qu'on donne à Madame Kapash? Qu'est-ce qu'on vous donne à vous? Qu'est-ce qu'on donne à Monsieur Franck? Il faut que l'État congolais comprenne que vous êtes des vrais ambassadeurs. Et pour que vous soyez des ambassadeurs, nous devons vous donner la matière qu'il faut. Notre tendance maintenant, c'est comme ça. Voilà comment nous voulons que les choses se passent. Et si nous arrivons à mettre dans vos cerveaux ce que nous voulons que les gens comprennent et les gens entendent, on aura réussi beaucoup de choses, on aura gagné avant beaucoup de choses. Avant de passer la parole à Mme Cynthia Kapash, Maître Christian Bossembe, mais on voit aussi des choses sur Twitter, des politiques qui s'attaquent le long du jour. On voit qu'est-ce que vous avez prévu pour ces gens-là? Parce que vous attardez souvent sur des réseaux, des médias sociaux, oui. YouTube et autres, TikTok, mais sur Twitter aussi, on voit des clowns en cravate. Oui, même. Bien sûr. Mais si vous savez, moi, ce qui m'étonne, c'est la jungularisation de Twitter. À l'époque, Twitter était considéré comme un réseau des hommes quand même sérieux, assez élevé. Mais aujourd'hui, cette banalité généralisée m'écœure et ça m'étonne gravement. Parce que sur Twitter, c'est là où aujourd'hui, on propage beaucoup plus de mensonges, beaucoup plus de fake news, de discours de déchirement, des discours de haine, la stigmatisation, dans tout le sens. Et ce n'est pas normal. Mais malheureusement, il faut le dire avec un regret énorme, Twitter se trouve entre les mauvaises mains. Et les mauvaises mains de Twitter, c'est M. Elon Musk. C'est lui-même le propriétaire de Twitter qui ne comprend peut-être pas grand-chose autour de la sécurité. Parce que quand on parle de la liberté, il ne faudrait pas que la liberté trucide la sécurité. Que la liberté soit finalement un gage de vie, de paix, de tranquillité, mais pas un gage de menace. Vous avez vu le débat qu'il a eu avec le gouvernement canadien, simplement parce que le gouvernement canadien l'a mis en garde en disant « c'est très dangereux, Twitter est devenu vraiment une poubelle, tout le monde écrit ce qu'il veut ». Et lui l'a dit, ne comptez pas sur lui pour boucher un seul candidat, il ne le fera pas. Il a même crié qu'on veut museler, les gens et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais ce que nous faisons avec le code du numérique, ça nous donne beaucoup plus de force.
et beaucoup plus de présence parce que nous régulons le contenu. Oui. Donc, le monsieur ou la dame qui tombera sur ces propos-là et qu'il a un nom, on mettra la main sur lui. Mais si vous êtes dans, vous avez les comptes robots, ça va être beaucoup plus dangereux pour vous, puisque une fois que vous avez un compte robot, une fois qu'on tombe sur vous avec ces comptes robots, donc vous êtes dans une association et ça ne sera pas une très bonne chose. Donc c'est pourquoi nous continuons à demander à tous ceux qui sont sur Twitter de respecter la loi. C'est tout simplement ça. Communiquer, personne ne vous interdit de communiquer. Mmh. Ça, il faut le dire. Personne n'interdit aux gens de communiquer. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est le contenu nocif. Nous ne voulons pas de l'érosion d'éthique. Nous ne voulons pas l'imbécilisation collective. Ça, on ne veut pas et on n'en veut pas. C'est une capache. Bon, continue à Bissot. Merci d'en prendre un rendez-vous et puis opportunité au PC Bissot à vos talents, à Nayopé, à proposer ma question. Est-ce que vous avez vu que attaquer dans les réseaux sociaux, dans les bateaux, dans les internet, vous êtes vraiment prêt à dresser Bango, même Babi Christian Bosimbe a commis mon condi à ses sacs. Mm. Expliquez-moi sur nom, définir nom. Mm. C'est ça qui est la Kissini. Mm. Tout ça, non, le roi école du savoir. École de la sagesse. École de la sagesse. Bon, en fait, dans mon coup, c'est ça qu'ils allient. Organe Oyo, ils allient côté la Makambo et Koleka, na média. Ok. Makambo et Koleka, na média, et l'ingi que le journaliste est kakate. Parce que dans le Ming, Bosimbe, Taraka, ma journaliste était. Bisso et Zamakabonio sur le canal TV. Et Zala ba pasteur, et Zala ba musicien, et Zala ba journaliste, et Zala ba tout la kakuna, ba tout nyon soit pour participer dans le monde des médias, et Talibisso, et Talibisso, et Talibisso. Contenu, et Talibisso. On a eu le Kalibisso. Et le Kamibale, Bisso de Tosali ba conseiller supérieur, topé conseiller privilégié, ya moka, na makambo itali communication. Bisso de. Bisson de Totali, conseil supérieur en matière de communication et pas dans le gouvernement. Bisson de Totali comme ça, gouvernement, gouvernement, quand il y a YouTube. Bisson de Totali comme ça, gouvernement, gouvernement, quand il y a TikTok. Bisson de Totali comme ça, gouvernement, modèle 1. Bisson de Totali comme ça, gouvernement, gouvernement, la TV, la place télé comme la place télé. Bisson de Totali comme ça, gouvernement, bon. Si Bisson, tout ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ça, c'est comme ça, c'est la télévision, la radio, les journaux écrits. Na ba toba ko afisha ka biloko na balabala na ba support nyonso ba réseaux sociaux totala ka makambu nini de kana kati kuna soki makambu de kana kati zo tambola na molongo problème ezate mais soki makambu eko le kana kati yo kana bilinga bilinga wani tali biso siko to kobisa l'état to lobite tala moto tela sale kilika mwabe to bengai to kobenga moto wana soki sanctions ali to sanctionner soki l'ité ali to teye donc voilà un peu sens. Il y a organe d'abus de régulation. Tu as dit le quoi bah arbitre. Tu as dit le quoi bah juge. Tu as la macambo. Bon, maman capable sur le bas qui boit la TV, na yo benga ki moto. Moto na fingi bato. Il y a quand même le quoi bisabus. N'engue ni mieux autant à qui classe na yo et permettre yo au pays au tika moto finga bato na TV. Donc tu as la moto bengi na yo na ye bato na baye. Soit tu reviens en moto à lire directeur de programme. Mais le coup, la bino dans YouTube ou dans le directeur de programme, t'es parce que ça ma chaîne, on va dire, nouvellement créée. Vous avez YouTube, t'es bino, moko ne bosa la tête d'affiche. Alors, bino de beaucoup, il n'y a pas d'ambition, tu mets que ce soit. Merci parce que grave, vraiment, la grave victime, il y a bilo pour un an. Ton amouna qui est la TV, que télé, mais la yango, la CP, la Makasi, mais ça vraiment très très vaste réseaux sociaux. Ceux qui ont été les mélanges, ils sont ensemble parce que la monnaie va critiquer. Il y a des caracicots, il y a des caracicots, sur le monde pour mon retour, il y a ma moine. Monsieur Bosimbe, tant que vous avez des gens chez nous, pourquoi on peut ça qui est en combo le buzz? Pourquoi vous avez des gens qui sont dans les bandes? C'est voilà les fastés. C'est buzz, c'est ça, ma bête, mon capache. Buzz. Vous avez ça peut battre ma bakou. T'es ma bakou, n'est pas limité. Ma bakou. Yo, y est batté. Mais tant que vous avez des missions, invitez-les à Obeta. Et là, on a 4 ans et on a la carré. Bon, et ben la buzz. Et comme quand on a 16 ans, il y a profession. Au rôle de que tout ça m'a dit, tu es loin des alokuta. Mais surtout, en tant que journaliste, et qui n'a pas retourné que ça, la paix, tout ça. L'autre, on a remis régulateur, on a dit, attention, on a bandé les journalistes, mais on a sauté, on a sauté. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont eu. Mais, côté on a, pour on a peiné sa problème, parce que, on a 16 ans de journalisme, on a bien une seule fois, on a eu un PC, il a eu un bon, une seule fois, et bien il a eu un bon, il a eu un bon, donc, il a quand même un parcours, il a bien. Mais maintenant, buzz, il a ma bête. Buzz, et comme ma bête, ce qui est comme ça, passé, comme il a heurté, il a opposé, il a ma bête. Ce qui est dans le but, par exemple, que, net, il a eu un bon, il a eu un bon,
même capable à botti bana misa tumba la moko ba triplé non ça elle obuse mais na ninga mabété peut être ngamba robot mais ce qui est comme que sala ki boye kenda ki na ninga mabé na ninga ko finga yo to ne ko kitisa yo on est comme buzz ya mabé yo moni que Congo buzz et sala ki na buzz na ngona époque ti no peut être na buzz na bitende ti batika la osan deni ah il na buzz na ninga na bango mais ton ngana sala ki na buzz na ngo moni donc il na cadre on est na cadre si ko ninga ko mi wana sala ki par rapport yo kanaka déjà avant que n'importe la que ceux qui le lont n'azui liloba nakati amboko dans au salaboué tout ezra et loko est imposé au car nakati amusala na yo bon moni bito tout le temps on a Congo tant de rêves yako bakisa moni loko mo amboko na bison tant au tal la média le dit ah mais il faut de bon sa place au faut de bon sa place au et là bon donc mon tout avec na barève bah penser mais comme on a moment on est sur nos astuces bon dans la logique il y a là qu'est-ce que je peux laisser na bande quoi pour y assimiler parce que na c'est ça tozali mais tu roules un jour, tu as un peu de temps. Et c'est ce qui est bien. Tu as une base quand même, tu as une base. 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 Tu as une différent. Le problème, c'est que il y a une conscientisation. Il y a un rôle dans la TV. Il y a un rôle très facile. Et on résout le problème dans la poto. Il y a un rôle que Bisson au Congo, il y a un rôle dans la poto. Bato ba banga ka loma kasi eza bato poto eza bato ati donc muto banga ka loma mingi eza muto za poto apena obi kozana cousin ozana cousin na yo ndeko na yo ya na yo arosunga na justice mais kuna bibi ki ba sa ba banga non bibi ka kuna le amakasi pe zo uta oui yango na bibi ke yana ba bilo musumba na lobango a ezati méthode ni to kosala mais eza très facile à résoudre surtout kuna eza beaucoup plus facile eza ka tous na kana ba moyen nango eza très facile à arrêter kuna oza pe na ba projet a kokota na ba université o neti ba ifasi ki ba sefoji oza pe na moi orientation au kenda kuna pona oui oui ba projet za ba projet za li pona ko essayer de discuter na bango contre ko ba meilleur élève ba meilleur étudiant na bango pour que ba sal ba stage pendant bisu na ba c'est ça t'orienter bango pe autrement parce que bango de ba TV à lobby donc ceux qui tu tombe la niveau il faut discuter na bango moni ailleurs ba régulateur nyoso ba toujours na ba lien étroit na ba maison to ba institution et éducation et formera ba étudiant. Ma chaîne TNT, vous savez, on pourra pas commencer à le faire YouTube. Hein? Oui, c'est la même chose. C'est ouais. Bango Koutou d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique. Il y a redéconnecté, il y a redéconnecté. Moi, quand toujours déconnecté, 4 chaînes Siko pour la piraterie. Donc, c'est beaucoup plus facile à redéconnecter ma chaîne TNT que ma YouTube d'ailleurs. Ok. Redéconnecté, c'est très bien. Alors, maître Christian Bossembe, Koloba, ils allaient bien. Parce que tout le monde qui est en cours, c'est qu'au jour où il y a un poste, il y a un président à CESAC. Donc là, qu'on a média, on l'obéit que très bientôt, on subventionne les médias, où yo, au moment qu'ils vont salam salam voir malamou, les cambodgiens, l'obéit là, ils sont youtubeurs. Est-ce que aussi au Tali, il y en a bureau, na yo aussi au Tali, bah où ils vont salam salam moi bien à YouTube, ou bah où ils ont moins encouragement, tant qu'on subventionne les médias non traditionnels. Oui, on y YouTube, c'est compliqué, c'est va être compliqué maintenant, parce que n'ayant pas personnalité ouana. Tout ça, on n'a pas d'hésitation, mais encore on a une étude profonde sur comment subventionner les médias. Mais fait comme je vous ai dit, et que dans la réunion, tant que tu as un journaliste sur YouTube, tu as un journaliste qui discute avec moi. Parce que pour l'instant, tu as un journaliste. Tu as un producteur de contenu, mais tu as un journaliste qui produit des contenus originaux. Très bien. Tu as un produit des contenus originaux, tu as un journaliste qui a besoin de moi. On a besoin de Tianini exactement. Ce que ça a besoin de la caméra, tu orienter en haut dans la caméra. Ce qui en a besoin, il y a un plateau, il y a un orienter en haut, on a besoin. En fait, ce n'est pas le CESA qui va donner de l'argent. Mais le CESA qui a la pont entre Bango et ma partenaire. Parce que nous avons des partenaires qui peuvent mettre le moyen. Mais le moyen, besoin de t'orienter Bango. Non, non, ma chaîne, mon amour, par exemple, 20 chaînes, il y a YouTube. Et ça, bon, ça là, formidablement bien. L'éducation basali, la culture basali. Est-ce que vous avez un mot qui tu as que ça tu Congo n'engaza oui Congo va gagner Congo les amis parce que le nom de Belozo mon ababi Congo les gens où sont là bon retourne à peine Siko attendre tous habitants sont boués bon Bunagana il est dans la carte à côté ni Bunagana le situé Bunagana dans la carte mais tout de temps la plateau mais comment mon boulot mais il est dans la est oui est ou à qui exactement aux hommes sont tous les noms congolais à Kinshasa Rutshuru et sa place de l'accès carte sans Bakombo on s'est indiqué Rutshuru place ça à éviter pourquoi à Bunagana bah tu belles tes os beaucoup à beaucoup à gars méthane coltan cobalt bah mon angoté
Alors, tout ça a besoin de chaîne Oyo et il y a aussi la mission de discovery, il y a aussi la mission de découverte. C'est-à-dire que tu vas dire que c'est une limite, il y a Bounagana, il y a une place. Parce que moi, j'étais avec un monsieur qui disait Bounagana, les Congolais ont dit que 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 les Congolais ont dit on dit que Congolais ont dit que les Congolais ont dit que les Congolais ont dit que les Congolais ont dit que 8 ans, 9 ans, à ce bête le sol en boca la banque, et bien, très bien. Mais bien, bien, bien. Alors, tu as la chaîne aux produits, mais donc un modèle. Oui, bien que dans mon abisso, tu en as plus de 400 et quelques tribus, donc on a 400 manières de l'amba pour nous. On comprend, oui. Ça veut dire que nous avons une richesse culinaire, une richesse gastronomique en Saranaté. Ça veut dire que tu as 400 façons de l'amba ndunda. Tu as 3 ou 10 façons de l'amba foufou, gara foufou. Tu as 10. C'est justement ce que je dis. Alors, quand on voit déjà Boussali, moi, pas, c'est là que les gens viennent dire ok, Chanouana a bandit de Boussali, pas naïe, tu es bien. Tu m'as dit que tu as moyen, tu as besoin. On a envie de se déplacer à Kam, mais tu as besoin de moyens, ainsi de suite. Nous pouvons agir, peut-être pas à 100%, mais peut-être à 20% ou à 10%. Le but, il y a quoi améliorer le contenu de YouTube. Parce que nous avons la capacité de faire des choses, Alan a fait des choses, Franck a fait des choses. Non. Mais Alan a fait des choses, Franck a fait des choses. Il faut pas le faire. Et le combiné, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Pour qu'il faut le faire. Et c'est important. Le lot, nous avons vu tout le bateau depuis à Kota Moussala à Ibate. Basali. Asali a 25 ans de fonction publique à Ibate. A zoppé document à l'Okutate. Maintenant, il y a une place sur le Kamate Veta. Parce qu'il y a un foot en bon côté. Or, ceux qui ont besoin de subventionner Bino, ils ont besoin facilement. Parce que tant que vous avez un bon côté, combien. Mais Batumbon, Batou, Bazan, Bouania, mais Banan bon côté. Vous faites comment? On ne le reçoit pas. Or, Bangon, il faut pas les gars. Mais ce qu'on bisto, tu peux si Mikon a Mibi. Bato ba yiba déjà l'état ba yiba kambongo ba onde ba na capacité le gana TV bato ba na boanya mo ba les athées. Nous avons des gens dans ce pays asali 45 ans de mariage à mon appel libandaté basali 45 ans de mariage ba tumsu basali basali 20 ans de mariage à beta mo sinem batate mo sinem pas finga été basali. Tu vois un peu, c'est des gens qui ont de l'expérience à donner, c'est des gens qui peuvent être pris pour modèle, mais TV kangeme libango parce que ba na mongo wana té. Or, Bino Siko, avant tout obligé Bino, oui, en babango, il y a pas folie. Il y a une photo de non, non. Na place que Yemokwa Bimsambon, la poche na yé, Bisoto aidé yé. Attends, on a besoin de Nini. Non, il y a besoin de caméra. Attends, on a besoin de Bisoto aidé yé, place on a, pour que tu facilites, bateau, bazan l'expérience, bali kana ba télévision. Voilà un peu le but, tout ça, il y a un moment à peine. Alors, Lelo, quand même, le président, c'est ça, Nangna Yéba, na ponyo se sentir nango, parce que c'est ça que Bandi Banda, car il y a un naïote. Kutaki baninga batikelo ebonga yo ko président lelo ya c'est ça ozo sentir nan ndenge nini et deuxièmement oza les plus jeunes chefs des institutions depuis mboka na zala mboka na biso Congo depuis 1960 oza les plus jeunes chefs des institutions ozo yo kandenge nini ceux qui n'écoutent ici ma responsabilité c'est ici souki donc non mais la responsabilité moi mon nini parce que bon, habité sur un azarati, les loga jeunes, mais je pense que les responsabilités m'ont mené parce que ceux qui ont les loga échoué dans les yamabé, en tout cas, dans l'indemnité que les jeunes sont en fond de la bronze là, parce qu'ils vont dire, mais tout ça qui fonctionne beaucoup quitter. Donc, on est obligé de bien faire pour convaincre le président de la République à Fungwa Malissous. Pour parce que, oui, parce que pour ce qui me concerne, Naza Choua Naye. D'accord. Naza délégué Naye. Il y a Tininga, dans ses sacs. Tininga comme présidente. Tininga d'abord comme délégué. Après Kuna, tu battre campagne, tu as gagné. Tu as mis président. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois te dire, président de la République, toi, ben, jeune et belé dans le Congo. Mais à Poni, la jeune, on a nié, soit Poni, tu as yo. Yo, no, kende Kuna. Alors tu dois te dire, qu'est-ce que tu dois faire de mieux? Non seulement pour qu'il y ait un cas bien, un cas sommité à Chouanaye, mais deuxièmement, pour qu'on puisse avoir un jeune moussou sous rêve et croire que c'est possible d'aller de l'avant. Donc, il y a une responsabilité énorme, mais après, éducation,
la coba en exemple depuis mon dame topi moi ébélé et ça la que aux en avoir réserve ébélé oui parce que na souki parce qu'il faut que bosser en été poste les avoir ilamba oui balata en haut balongola en haut donc il faut trouver l'équilibre mais le plus important c'est titre tesali qu'est-ce qu'on va laisser na bateau bazola na biso na ciment qu'est-ce qu'on va laisser na ba jeune bazoy mais très bien les amo pe et amo pe mais maître bosser mais en parlant de responsabilité c'est vrai et ça branche mon nez aux piloter mais je pense que tu reçois kaka na ma parole t'es pas seulement c'est vrai le message est très important vraiment intéressant on sent que vous êtes motivé vous voulez quand même changer les choses à quatre mots qu'on a besoin mais en parlant il y a différentes responsabilités aux anango je pense qu'il y a un point où ça la paix qui m'ont toi échoué parce que au départ aux an a projet aux an a ambition en yons surtout au type mécanisme moteur en marche pour que quand même au salam ça la bien mais ceux qui peuvent vous accompagner bah ben Dieu tu restes bah croque à jambe en parlant par exemple il y a pré-campagne vous avez interdit mais regardez la ville province de Kinshasa polluée par des panneaux des banderoles et tout ça c'est vrai et Moutoulelo a préféré que a tchefotone mouki a bambi présent mounene nasuka parce qu'il dit que non soit mon photo président et kokitate quelles sont les dispositions oyo au mettre en place pour que tout le monde a quand même au lobby et sur le plan pratique tout le monde iba kati kati bakiti babilo royon sur tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Bon, il faut d'abord dire une chose. Je peux vous rassurer que ma photo on a tout ma fiche tout le monde le chef de l'État il était muta singi bango bacha. Et ça notion il y a d'un côté il y a flatterie au côté na mboka na biso bato bazaba flatteur moi mingi ba ko linga ko flatter président. Mais malheureusement pour le bango président Assombarabilo Konate il n'est pas preneur de la flatterie parce que c'est quelqu'un de démocrate d'abord naturellement et puis Babilo ka ba flatterie une côté écoute à qui pena mingi ça c'est des 1 2 2 bakoki ko tcha ba affiche na bango il y a problème té mais le problème c'est le temps ko ba tcha affiche ba do battre précoce ça la campagne précoce eza mabé eza contre la loi et responsabilité na biso c'est ça que ça te que quitte ça ba banderole wana eza bi wana eza biso té biso tout ça na capacité ya ko lobaka kake ba tout ba quitte ça ba affiche parce que ça n'attend na ngote mais c'est à un autre organe de s'exécuter voilà cet organe là est-ce que déjà aux 8 ans ko travailler na bas parce que ba zo accompagner nous on a dit ça plusieurs fois. Et dans les organes, nous sommes têtus naturellement. Obisi bango le bibo longo le loko yoboye parce que ça m'a l'amouté. Mais bon, il y a mon colon. Bisson, c'est ça qu'à ce moment-là, tu grossais l'autre. Nous, on va se limiter à dire parce que la paix est moyen. Voilà pourquoi, dans la réforme, tu as ça là. Tu as la réforme, il y a loi dans Bisson pour que tu aies une force et qu'on agisse Bisson Moko sans passer par bateau. Ce n'est qu'à ce moment-là, nous, bon, on va y revenir comme sous un miki, bon, mon athée. Parce que même pour déconnecter un média, il faut que tu commettes la rédaction. Ce que tu dis, rédaction, tu es lié à déconnecter les médias. Tu es déconnecter les médias. Parce que ça service n'a pas été. Donc voilà pourquoi, si on veut que tout soit efficace, on ne doit pas nous donner le pouvoir proclamatif. Pas besoin de pouvoir d'exécution. Vous avez proclamé raté, mais vous avez exécuté malamoko. Et là, ça va consolider l'effort n'a pas été, consolider la force n'a pas été. Mais maître Bossé, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par d'abord chercher à gagner, à avoir ce pouvoir parce que sinon, tu es autour, c'est-à-dire que vous avez la volonté, mais ceux qui peuvent vous accompagner, bangonde siko, comment ça, là, qui n'ont pas échoué. Oui, mais travaillons d'abord. Moi, je crois que, parce qu'on est dans la réforme, il faut loi. Et il faut que navette nous sommes dans la période électorale, sur beaucoup de modifications, loi siko, et nous avons temps imbélé, alors que nous agir dans le. C'est pourquoi nous continuons d'abord à travailler. Donc, on continue à travailler dans la à interpeller de temps en temps. Donc, quand il y a des médias, il y a déconnecter les médias. Ceux qui peuvent déconnecter les médias, nous revenons dire aux gens que nous avons fait notre travail, bango parce que nous avons comme ça les gens vont s'assumer devant devant la nation. Mais le problème, il y a quand il y a fiche, nous redemandons déjà dans l'émission, on a vu nous bandé le sous conseil dans le gouverneur, il y a ville Kinshasa, le ministre il y a intérieur, bas sur ma décision qui ça va bâcher avant période électorale, bas il y a la période électorale parce que c'est quoi la campagne électorale précoce pour Nabisso, le fait de donner son numéro et la candidature. Oui. Le fait de repérer sa circonscription, là, le fait d'y appeler, bah, tu vas voter. Tu vas appeler, bah, tu vas voter Motomoususu. Tu vas voter contre Motomoususu. On a déjà en train de faire une campagne précoce qui est une infraction punissable dans la loi électorale. Ce qui fait qu'aux hommes, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a chaque jour. Parce que, bah, fichons les arbres, ils ont le coup de temps en dehors de la campagne. Parce qu'on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a comment on appelle ça encore numéro là-bas. On a une circonscription.
et puis nasi manango ba komio nasi nango komio sosambuk donc sur le bio bango ba kima kabiso donc au moment qui rappe na ba discussion ils appellent na ba slogan ah mon sur le bio on a des mots nandako on a des mots finis que ceux qui y a place tel on a des bassins la bille donc au moment qui rappe nous musu quand il mange taba on a des taba na bille nous on a qui na musique tel donc ça veut dire que pour des voix on peut se dire tout donc on nous tout. À un moment donné, c'est très compliqué. Il y a un point que Franck avait abordé, je crois que point là, on a mis un peu au fond, là, on m'a bouqué. Parce que, côté à réseaux sociaux, en parlant plus, il y a tweet, je vois, il y a des gens, en fait, au bazar, élevés en dignité, et des gens, au bazar, influents, parce que des fois, ça tire à balle réelle. Au moins, il y a un mais qu'est-ce qui se passe au Penza, attaqué, oyo. Lorsque on a convoqué Batouana et qu'il n'y a pas de changement, et que Batouana a ligné au CDT, est-ce que aujourd'hui déjà ma casiwana ya kobeta c'était pour que tout le monde appelle batouana ceux qui vont interpeller bango au lobel bango ba yo quitter justice ezwa bango et peser sur bango enfin qui quand même pas répondre là-bas actuellement parce que côté là ceux qui ont bougé je crois que ça sera exactement mabé pour nabiso ndeko Alain moi c'est pourquoi je me pose la question kibomoto nabiso qui wapi à partir de quel moment batou ba komi ko za la lèse na ma finga moni batou ba finga ke za ka batou ba na ba argumenter. Si on a un finga, c'est qu'il y a un argument. Pour le mouton, il y a un argument, il y a un finga. Il y a un bassesse, il y a un argument. Alors, on a un mouton, il y a un finga dans les réseaux sociaux. Il y a un cité, il y a un banate, il y a un parent. Comment on a un tongo, il y a un finga bateau. Et puis, on a un coupé, moi, si nous ne sommes pas là, on a un peu tranquille. Comment on fait? Comment on arrive à se perdre dans le niveau? Ce sont des choses que moi je me dis, mais comment on fait pour arriver à un niveau où il y a un modèle, il y a une culture, il y a une bassesse de commission sur le niveau. Il y a un niveau où 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 il y a. Pourtant, on peut bien dire une chose où il y a un niveau où il y a un niveau où il y a un niveau où. Parce que Buston, c'est ça que tu peux, si tu es que chef de l'État, tu as bien, toi, tu as bien. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais arriver au point d'insulter, on est comme le Moussous. Donc, ces gens-là, il y a le code du numérique qui a répondu à la question. Ce qu'on finit, au outragé, au se livrer dans l'insulte publique, dans l'injure publique, au se livrer dans la calomnie, dans la diffamation, dans l'imputation dommageable, est allié au la loi. Bah, kokangayo, et que la liberté d'expression. Parce que les gens ont besoin d'un contenu productif. Même à ta chose à contre. Mais ce père, à un moment donné, dans la qui, personnellement, tant que nos journalistes, j'avais des positions tranchées contre le pouvoir Yakala. J'avais parfois des positions tranchées, même contre l'actuel pouvoir. Des tranchées, Penza. Mais après, mais avec des insultes, c'est ça qui m'a remorphine dans mon côté que, oh non, non jamais, jamais, jamais j'ai insulté qui que ce soit. Sauf que les gens voulaient un peu. Par exemple, c'est la rôle de Kamboya Yamoutou. Oui, il y a Moutou. Chef de l'État à Kalaza. Non, le. Les Kamboya. Oui, oui, je comprends. Mais sur Otali et Lokoana, Otuni Moutou. Donc, c'est-à-dire que c'est des histoires que les gens montent. Au Moutouni, mais. Non, vous savez, dans le Congo, tu as la capacité à obéir la Moutou, l'Isolo, ou Azate. Congo, ceux qui ont obéi l'Isolo, ont obéi l'Isolo, ont obéi l'Isolo. Est-ce que dans le Gaïka, tu as obéi l'Isolo, Moutou? Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont experts na yo, ayada spécialiste na yo, aibi yo, koleka ninga yo mukomi ebi. Batona bazali baba expert, batona bata ça dit que bon on fait ça l'antenne dans ma service public. Mais en réalité, il est au côté. Parce que batala rapide bon moto sont de l'ongoli loko. Donc finge les places nyaye loko te, to bambeka loko. Baba bambio. Du début jusqu'à la fin. Sont retenu moto vidéo za wapi. Ils ont raté. Vidéo, et là, ouais, puis là, ça vidéo, où il y a le mina mounokonaye, combo, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que eux-mêmes se disent, mais bon, mouto, tu as fini les plateaux, je l'ai net place ni. Tu sais, ton luki, pena, tu as fini les places ni. Bah, luki, il y a un modèle dans le match. Mais en réalité, la culture de l'insulte n'a pas de place. Et puis, disons-le, cher Franck, combo, n'a pas de combo à mouto. N'a pas de combo, n'a pas de direct. Mais ça, combo à mouto. Mouto, t'as pas de combo à mouto. Mouto, t'as pas de combo à asa vivant. D'accord, on a peine dans du combo on a baissé on a battu mi balé la baction on peine pour tout le monde à pimer là. Mais explique-moi, dans nos films à la TV, ce qu'on bat combo on a sur qui dans ça on est. Mais comment j'explique à mon père que j'ai insulté? Parce que insulte il y a l'accent à monter. Bon, comment je rentre à la maison, je vois mes deux enfants et des garçons à qui j'interdis de dire des propos grossiers, mais on a même dans le bas propos. Comment vous imaginez ça?
Parce qu'à un moment donné, tu ne sais plus éduquer tes enfants, puisque Yomogo est déjà dans le modèle de l'éducation. Ouais. Donc, c'est des histoires qu'on raconte. Maintenant, il faut combattre le Kwanda. La seule manière de combattre en gros, c'est ça qu'on a un numérique. Il n'y a que le numérique qui peut nous aider à combattre ça. Et le contenu du CESAC, on règle l'affaire. C'est pas l'inégé, c'est ça qui est ça, ça a ma lame, et y a ma lame, ma casse vraiment coup de chapeau. Mais ce que ça a, département Nyonson, Moutouna, Kwanaye, à Salipé, le Longue et Boué, tout yambi, pe ministre, mon corps, Azota, la mambouya, et ba, ma boye école, primaire et secondaire, tout yambi, et d'être boué. Bisopé, bah tout y a internet, tout reposer, ma question, et ça a vraiment bien, la ba catégorie Nyonson, pour ça, rata. On a lancé car par rapport à Yone, tout ça, la première a suivi. Chef n'a vu ce que c'est, mais ce temps, on a essayé. Et si il y a un peu de temps, tant que nous sommes en droiture, on a un malamou. Continuité, on a un malamou. Il n'y a pas de changer dans le lingue. On a un batonnier basal. Tu évites ce que tu as à la ni. Nazar a trois questions. Deuxièmement, tu as un problème encore. Yo, y a un bisibi soke. Les alliés chefs de l'État, non? Nde à Ponakio. Oui, comme délégué. Voilà. Car dans Katiwana, il paraît-il que vous allez rendre côté Wanande, il y a chef de l'État, il y a Ngoana, au Kangi déjà Baninga Katch. Pré-campagne, les Alate, Nyonsoana, Ebi Keza, Simon Kongonayo, Eza, Bosembe, Aebi, Aza déjà Kuna, Liaki et tout. Chen Wana, Basale Laye, avantage à Mkonzamboka et tout. N'habite que vous répondrez, vous sonnez ni malgré ça dans une émission politique. Non, il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de souci, posez ma question au Nyonso. Obimate, ça, c'est ma question de ça. Vraiment, oh, bah, il accède à Bissouaranga, on pose vos soucis. Troisièmement, ils allient, M. Christian Bosembe, Toebi Bisso. Et en particulier, je suis allé vraiment depuis Afrique à la télévision. Je suis allé peut souffrir pour la moussala. Et puis, je suis allé à la CESAC. Je suis allé au mérité pour les appels à la moussala souffrir pour la yango. Je suis jeune au Lélo, je suis allé Poto, je suis allé à l'étude, je suis allé à la formation, mais je suis allé à Kokitana Kin, je suis allé à Beba Lango. Je suis allé à la favoritisme. Et ça va mutoza simanaye pourquoi ça va jeune wana nini oyo lelo baza mikilia poto baza pe na Kinshasa basi ça ba campus partout baza pe na bon ambition à miner na pona kokoma est-ce que zara il faut zara qui est derrière toi na sima toi ezali soko sali musala na bien au kokoma place oyo au milieu kokoma il faut kobisa bandeko voilà il faut kobisa bandeko il y a bato baza libanda na ba o baza bato baza libanda on est jamais mieux ailleurs. Parce que tant que tout ce qui n'est pas donc il y a les France on a et ça bateau bah coupe pour la France et comment les gens bateau bah coupe pour la France et comment les gens 80% bah français. Ceux qui sont aux États-Unis c'est la même chose. Bah américain bah coupe pour que beaucoup d'abord dans les gens. Ceux qui habitent dans tout le monde pour beaucoup dans le et comment monnaie bien. Bango ba koufa ba na bango ba ko vivre bien nango biso peto ndima to koufa pour que ba na biso ba vivre bien nango mais ce que biso tonyo so mo ide na idea ko kima to tikimboka parce que mabeza kuna to kimia ngoto kei na banani ba bongsa mboka o ti un jour to kula mboka si jour mo boye mo ngo pe longwe tatu ya biso te parce que tonyo ba kuti ba kolo ba kolo et alors nda ko abandoné ce que bino ndo ko mo kima nda ko mulunge nda ko mulunge nda ko mulunge nda ko humilité alors ce qui bo ko mo luka nda ko comme na poma réseau pour la joie te na bi hein. Nous avons un problème qui faut dans la carte, il y a un réseau qui pose quand même Moussala. Détruisez les réseaux là. Vous détruisez en gros. En fait, Makambo est comme l'élection au Congo et il dit qu'il n'y a pas de sauté. Le problème, c'est des autres qui ont été mis en avant. Mais le bateau, c'est le bateau qui a été détruit le système, qui a bâti le système Malonga. C'est à nous que revient la responsabilité de corriger, de changer les choses. Bissonde. Tous ont la responsabilité de bon sambo qu'on a vu. Mais ce que tu as commis à l'idée, il y a qui m'a dit que Mabé. Et comme compliqué, on est comme abandon, même devant l'histoire, ils ont abandon. Mais, bandeko tout babima poto, babima Congo, bakenda libanda, batu tout bakimata, batu musu bakenda stratégiquement, bakenda ko luka pour que bazong. La preuve, bato balié saka Congo entre 2015, non, je crois que 2000, bon, depuis 2010, ti 2020, tout chantant dans ma calcul, on a, il y a qui diaspora, bangonde bandolé sa Congo. Banda comme une banda comme un lame ou bien, il y a des mini-mini tenues dans la diaspora.
Le lot peut-être parce que Tobé Telarango, Masolo Mingité, Bandeko, Bazana Poto, Diaspora, Bazana degré à patriotisme, Ogo, imaginez même pas. Nana Mona Batmuson Poto, Azoliate, Azola la Pungite, Pombo Kanaye, Kotosa Malamo Mingité. Alors c'est très facile de dire à Moutouana, c'est au Bundakoto, c'est très facile de dire ça. Yo Bundakoto, Moutouto Bundanenge Mote, Batmuso Bundan Libanda, Batmuso Bundan Akati. Mais idée faisait la carte Moko, Tozonga Ponambo Kanabiso. Donc, Bano Batanga classe na Poto. Bandeko ba sali chic na poto ba sisi classe na mon convenablement. Oui, to chano na batoli banda. Ba travailler pour revenir ici au pays, ba ko ide mboka na biso. Biso ne to ko tombola yango. Ba te que non, ko ne zo bonga tis ko ne fa bongis. Ka biso ne fa do bongis ensemble. Bon, pour na bato baza awa, c'est la même chose. Bo travailler pour que mboka na biso évolue. C'est aussi facile de dire bo sembe ba to bana simana ye. Bon, ba kongol baza ebele pour que ba simana bango te. Tu vois un peu le problème. C'est-à-dire c'est très facile de dire que l'évolution de l'autre, Basimbi en Kosimba. Ce qui est l'évolution de Basimbi en Kosimba, pourquoi Basimbi a yoté? Pourquoi Basimbi a déconné ou sauté? Le problème, c'est que les gens oublient souvent la compétence y a bateau, attribuer directement la facilité à quelqu'un. C'est très facile de dire que y a favoritisme. Il y a favoritisme T. Il y a Moussala, il y a compétence y a bateau. Ça fait 16 ans, jour pour jour, que je suis en train de faire ce travail. Jour pour jour. Pendant cette. Avant la commande à ces sacs, tous ces gens applaudissaient. Ah, ben, bravo, bravo, bali, ben, moussala yango, moussala salaire yango, il faut que nous salaire bien. Mais le jour où tu as eu une promotion, les mêmes personnes qui t'ont applaudi hier, ben, comme vous doutez, non. En fait, na Congo, tu as un système, mon roi, aboué. Ben, foutez-le au classe, ben, balingue aux oates. Na si, na Congo, il y a un bateau, ben, il y a un sapato, ben, balingue au bel à l'okolo pour la tangote. Le Congolais, c'est comme ça. Tant que vous souffrez, vous avez un camarade. Si vous avez une bonne aussi, mais qui Batouana baza bongo a coupé telo maboko soko ya avancé abi keza kisi ezara bongo. Donc les gens ignorent ba douleur ya bato ba travail ya bato ba sacrifice ya bato parce que bana ba raison na bango mobo. Mais il faut dire que mututu na kongana na place na ye bandeko ba ya kubunda na mboka ba ya ko travailler na mboka ba ya ko chamaye na mboka biso pe awa la même chose. Deuxième question le bi après campagne na ba chinga wana pour que na bloqué pré campagne mais ce qui toke na logique wana. Si Moto va toquer la logique à président, il n'y a pas de président, il n'y a pas de candidat. Le groupe n'a pas de candidat. Donc, bon, après, la campagne est concernée, pour tout ce que c'est Moutoutou, à sa campagne, avant campagne. Donc, c'est trop facile de dire ces choses-là. On a pris des mesures impersonnelles pour que Bato Nyoso, vous allez concerner, respecter, vous allez sanctionner. Troisième question, la continuité. Ouais. Bon, la continuité, ça ne sera pas moi. Moi, je fais ma part. Par là, on a sali. Na osala de façon que Mouta Kouya après un prochain président c'est ça akouta ba base et ça les mis bien de façon que soit il y a continué en haut à continuer mais le malheur n'a besoin en Congo et de la carte de la carte éternel bah éternel comme éternel commencement depuis tout bandaga et le couteau bandaga tout bandaga tout ça a été voilà un peu le problème t'as une gars qui n'a pas su sur la question moi pardon France Témaï au début que Soudan a mis sur le caméraman, il a monté. Si quoi, comment on a kangi mon toit, on a filmé. Si quoi, on a un banouzanin, que Soudan a filmé qui peut-être obstacle, mon robot et tout, prisonnier, mon robot et tout, on a quatre. On a Soudan, si quoi, comment on a ça, on a bino, c'est ça qui m'a monté. T'es Soudan ou tout est. Il faut dire aux gens que Mouto a kangi. Ce qu'on a nous jeté, et l'on a vu que mon TVT. Donc, caméraman, refilmé, mais dans le montage, il faut pas flouter. Bas de mosaïque, tout bas de l'eau, comment on peut. Bas soda, ou bas kenda rokanga moutou. Bas moment, bas comment on peut filmer, bateau, bas okanga. Il faut bien entendre, bien entendre. Ceux qui ont soda, salut. Soda et mora tiennent un réseau social. Porter plainte. On doit porter plainte dans l'auditorat, bas okanga. Ok. Il ne peut pas, aucun moutou, mon côté, a le droit de filmer, yo, et puis à diffuser dans les réseaux sociaux, sans que le jugement nous soit établi. A ta couture la main dans le sac. Babé Ngango, présomption d'innocence. Moutalon, la présomption d'innocence, ils ont caca juge. Ils ont policier, ils ont soldat, ils ont un commissariat. Nous avons besoin de nous c'est contre la loi. Et l'on a un et qu'on a un ce n'est pas bien. Il faut baser là. Jusqu'à ce que. Bako établir condamnation à Bango, topé, bako établir infraction à Bango. Mais, dans le cas extrême, le cas la flagrance,
Oui, dans le procès, c'est normal que Bilongi Mounan, parce que bon, filmé dans le procès. Mais où est-ce qu'il y a un interrogatoire, comme je vois dans ma chaîne, nous sommes spécialistes, et relaxés à la bataille à Koufi, à la Panzana Kiawa. C'est des choses sur lesquelles on va se pencher. Bachana nous a la soute. Merci. Alors, maître Christian Bossembe, c'est très bien. Il y a quelques mois passés, vous avez été victime d'agression en France. Vous promettez que vous portez plainte contre Batouana, si de l'autre, toujours tout mon athée. Nous avons un problème illégal, il est capable dans le silence. Excusez-moi. Alors, deuxième question, M. Zali Kamouya. Ma tribu, c'est ça, car auto-observation, ah ouais, nous avons ça. De Kamouya Gauthier, c'est inafali, ou pas? Tout le monde est au côté de la miniature sur Internet. Vous commis contre Fali, vous avez pour Gauthier, c'est parce que c'est un journaliste. Et qu'on sort, vous avez dit que vous avez un bureau. Et ce cas, nous. Alors, tout le monde a le Kambouya. Il y a agression. Il y a agression. Baza ba Congolais, on a promis de porter plainte parce que ça a fait un candidat. Baza ba Congolais, ba s'exprime à qui? Le modèle loi va s'exprimer à qui? Et cause à la bien, cause à la mabé, mais en tout cas, autour de nous, d'accord, ba Congolais. D'accord. Certainement, ils ont voulu passer un message et qu'il faut, de l'autre côté, l'autorité va comprendre que ba bandeko, ba dans le besoin, ba l'ouba. Il faut que nous kabango, il faut discuter d'abord. Mais en même temps, ce n'est pas moi qu'on a attaqué, c'est le pays qu'on avait attaqué. Nous sommes officiels, nous sommes chefs de corps, chefs d'une institution. Quand on attaque, ce n'est pas moi, la petite personne, la question vous savez qu'on attaque. C'est tout le pays qu'on attaque. Or, ceux qui, moi, dans Mboka, Moko, a attaqué Mboka, la chose à faire, c'est de l'appeler, de l'approcher, de dire, Kanda na à niveau nini, aussi l'équipe nini, et à expliquer, bino ba Kanda na et bino gouvernement, vous prendre en compte. Moi, je crois qu'il faut forum et faliment. Il faut tout solo là, na bango. Très bien. Parce qu'on ne peut pas couper les dialogues, parce qu'on ne s'est pas entendu. Té, bazaba congolais, ou mutakobo yangote, bazaba revendication, on va nous porter. Il faut les écouter, il faut s'ouvrir à eux, il faut les écouter. Donc, je crois que c'est le plus important pour nanga. Mais nako souhaiter que nanga nazala muta souka, ou bako agresser le modèle là. Mais pour le reste, il faut s'entendre, il faut discuter, il faut parler, il faut partager. Vous avez une haine contre Bangote, vous avez une haine contre Bangote? Non, aucune haine, aucune haine. En tout cas, dans le coup, on a Bangote de la même manière. Ceux qui vont ça, la même chose, en tout cas, on a toujours la même raison, la même réponse. Et ça, c'est un problème. Pour côté. Donc, mais non, il y a un journaliste, il y a un musicien. On a un journaliste, on a un sous-journaliste. Pour le moment, il y a suspendu. La qualité, il y a suspendu. Mais comment gérer une affaire le modèle? Il y a une affaire vraiment simple. C'était une affaire, il y a un musicien à se sentir gêné dans la propos de tenir la TV, à saisir le bisou dans ses sacs, le bisou et le bisou, ça a le droit de réponse, et puis, aux ongles la bisou. Droit de réponse, il y a une chaîne, il y a droit de réponse, il y a une chaîne, il y a une chaîne, il y a une et puis, il y a bien. Mais tu vois, il peut traiter autrement. Mais après, bateau bazui, mais après, tu vas se rendre compte qu'il y a une bonne côté. Donc, le problème est qu'il faut que Moutinam soit dans la place. Dans le bac, il y a déjà, je continue à le dire, Ndeko Franck, la main sur le cœur. Le Congo, la République démocratique du Congo, tu connais tant de talents, il y a un modèle où il a fallu pour battre. Peut-être, Nathan Akala, Batoumsou, Bazala Kibongo, Rochero Taboulay, Franco, et ainsi de suite, mais il y a tant de bango. Aujourd'hui, cette période, en tout cas, on ne peut pas refuser que c'est Fali qui, voilà, Ada aujourd'hui est au sommet. Il y a Dni Nayona. Mais je ne dis pas qu'il est seul. Ada est mon côté. Et ça, monsieur, on s'ouvre ça la paix, fierté, il y a beaucoup d'ambition. Mais pour ça, il faut reconnaître ça. Donc, nous devons comprendre pourquoi ça peut faire un problème, ça peut faire un débat. Il y a un seul Michael Jackson aux États-Unis. Il y a un seul Johnny Hallyday en France. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musiciens en France. Il y a des musiciens aussi en France. Mais maintenant, on a la qualité, on a la capacité, on a. En ce qui me concerne, Nazo Monate, qu'est-ce que Fali a encore à chercher na musique? Il a tout gagné. Honneur à Zanango, crédit à Zanango, prestance à Zanango, impact à Zanango, orchestration à Zanango. C'est-à-dire que je ne vois pas qu'est-ce qu'il va encore chercher. Et puis, Moutouni, Robo, Yarikana, Baluengebo. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu ne peux plus refuser. Robo, Doutete, Natalonaï. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'il est le seul et que Moutouza a sauté? Non! Moutouna Moutouza dans le domaine qui excellait. Donc je ne voyais pas pourquoi les gens pouvaient aller jusqu'à diminuer Fali. Mais de l'autre côté aussi, les journalistes, est-ce que c'est vraiment bien d'attaquer les journalistes à la télévision? Non, non, les journalistes d'abord. On ne peut pas les attaquer. C'est les journalistes. Les journalistes ont toujours raison. Parce que le journaliste, c'est un corps.
Donc il faudrait que papa comprendre que nous nous avons bison c'est ça que tous on a idée qu'à moko qu'on mette qu'on tient bateau ensemble. Donc dans cette affaire là je ne pouvais pas comprendre que bateau va s'en prendre à Gauthier bah attaquer bah fingaier je peux pas comprendre ça tout de la même manière n'a pas comprendre t'es bateau va finga Fally tu ne comprends pas voilà non il faut pas tout comme au bungi ça bah talon à bison moko les Ivoiriens ont besoin de ces Fally ou besoin de négliger ah bah Capverdien on a besoin de Fally, on a poto, on a besoin de Yépé. Donc ici, nous devons apprendre à donner la valeur à des musiciens, à des pasteurs, à des journalistes. Il faut le faire. Gauthier, c'est un garçon très intelligent, il fait bien son travail. Mais il faut trouver un moyen de le mettre ensemble pour que Maramou se gagne bien. Alors, le Cambodgien a justice, bien qu'il y ait intervenir tant que. Ah oui, les gens ont cru que Bisotto a juste le dossier. Non, non, non. Du moment où le dossier est en justice, il est allé Bisotto. Bisotto est a parti à Mediawana. Et je crois qu'ils vont trouver une solution, mais voilà. Très bien. Je crois que le point moment où on a quand même question parce que le compte président est disponible pour Nabisso. Alors secteur O déjà Otaiko quoi aborder le secteur moko inversion de valeur ils ont vraiment primé. Alors Batumisusu basala maramsu lorsqu'il y a bavure des fois ça par manque d'information. Par exemple, c'est ça qu'il y a de principes et tout ça bah les membres sous c'est ça l'article publié par c'est ça O jusque là ils ont à peine vulgarisé. C'est-à-dire que tout le monde a dit que c'est ça qui est ça. Obi que loco article O est interdit par c'est ça qu'on a évité. Alors je pense que, puisque vous avez décidé quand même d'éradiquer le virus côté Oana, est-ce que vous avez pensé quand même y a que ça la communication équitative à niveau Moutounion surtout à la possibilité, à la facilité à Koyok. Et à la catastrophe, en parlant de c'est ça que Batoumi, ah, à côté Kouna, à mettre Bossembe, clique dans le bangouana, français, le bangouana, français, et les cas. Est-ce qu'avez-vous pensé quand même la manière de communiquer pour que toi atteindre peut-être tout le monde? Il y a un moment où ça va sensibilisation, il y a les émission, il y a Robin Gabino bateau comme ça YouTube pour que bien temps qu'il ne soit répercuté. Mais en même temps, nous travaillons dans la mesure il y a public polycopier bas texte. Couper ça nous tenions sur la capacité autant la texte. Donc tout ça la texte n'a vu sur la loi n'a vu sur code pénal constitution déontologie tout couper ça va nous comment bien au amiqué pour que de façon que sur la zone en haut on est autant et puis mon ami qui est bien. Je pense que de cette façon là on va bien faire les choses. D'accord, presque à la fin. Merci à Cynthia Capache d'être là. Merci également à l'un de l'émission. Merci à vous. L'année vous revient pour par rapport à cet entretien. En tout cas, un grand plaisir exercice Zaki Kitoko. En tout cas, merci beaucoup, Maman Capache. Merci. Merci Ndeko Alain. Merci Nomoro Franck de m'avoir permis de m'exprimer. Ainsi que Ndeko Tambo en démission, Barbet m'a écouté. Parce que, on a été choqué d'un propos moi, quelconque à l'émission déjà avant. Donc, problème, mais ça, c'est mais sinon, nous avons appelé à l'autorité de Nyosamboka. Bah ça la même chose, il faut qu'aborder bande de coup dans la YouTube, bah la regrouper 5 10 15 comme ils veulent, 3 2 mais en tout cas, il faut passer le message pour que ça aille bien. Donc on a une invitation officielle et ça a été un grand plaisir mon ami. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour la disponibilité président. On va aller suivre cette émission sur Congo Buzz télévision, nouvelle tendance télévision également sans oublier Capache télévision et aussi sur Europe Africa. Info ainsi sachez bien sûr cet entretien avec le président du CESAC, Maître Christian Bossembe. Bonne santé à tous et au revoir. Capage TV. Capage TV.